In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. For over 40 years, the themes of ecology and environmental protection have been on the global political agenda. The core environmental issue today for port cities is the need to strike a balance between their economic and industrial development, respect for nature, biodiversity, and their many different uses. La transformation qui a commencé déjà depuis une quinzaine d'années ici et qui va continuer, c'est que maintenant, le port se fait avec le territoire. Il se fait dans le territoire, il se fait pas en faisant abstraction des villes alentours, il se fait pas en faisant abstraction des activités préexistantes ou même des enjeux écologiques qui sont encore bien présents sur ces espaces-là. Aujourd'hui, avec en plus l'approche climatique, l'approche qualité de l'air et santé, l'approche énergétique, on est en train vraiment de constituer un ensemble conceptuel qui se tient bien, c'est-à-dire effectivement on pense local et on agit pour le global. Ici c'est un endroit où j'aime beaucoup amener les gens pour parler du rapport entre nature et industrie. À cet endroit-là, on voit la nature qui arrive au fond d'une darse. On a des énormes bateaux avec des activités typiques d'un port industriel. Et puis en face de ça, on a des roselières, des zones avec des herbiers marins, etc. C'est une illustration, je trouve, très intéressante de ce que c'est que le travail qu'on fait aujourd'hui. Essayer de concilier l'inconciliable, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les sites des villes portuaires. On trouve souvent des conflits d'usage au niveau des espaces. Et donc, il y a des négociations avec les chasseurs et naturellement aussi, il y a eu des négociations importantes avec toutes les gens qui s'occupent de la protection environnementale. Et l'Union européenne a imposé au port du Havre de conserver un certain nombre de ces espaces en zone naturelle. We came to Marseille to meet Gilles Caillon, the founder of Ecocéan, a marine ecosystem restoration project. Le Caillon's team is specialized in reconverting underwater port spaces as fish nurseries with the goal of maximizing the survival expectancy of the fish during the perilous first phase of their growth. By supporting this kind of project, the port favors sustainability through measures of protection of the ecosystem. Ce qui est intéressant, c'est les petits trucs en acier qu'il y a dans le bac. Ça, c'est des habitats qu'on appelle les habitats de transition. En fait, les poissons, ils sont préparés à retourner en mer, parce que quand on va les relâcher sur des habitats qui ont cette tête. Voilà, ça, c'est ce qu'on met dans les ports, le plus, sur les quais. C'est simple, la nurserie, c'est je mange et je me cache des prédateurs. Mmh. Donc, je mange au travers de toute la vie qui est là-dedans, mmh. Et quand il y a un prédateur qui arrive, il va se rapprocher de l'habitat, là, du substrat. D'accord. Un quai, c'est lisse. Un quai, c'est pas du tout un habitat favorable pour les jeunes stades de poissons, quoi. Donc, des quais, il y en a partout dans les ports. L'idée, c'est de complexifier, mais pas partout en plus. Il y a des zones qu'on peut favoriser, privilégier, pour en faire des zones de nurserie. Il reste, je pense qu'il reste 350 ou 400 baleines noires sur la planète. Il y en a 150 qui viennent ici à chaque saison. Alors, il y a eu quelques incidents avec les baleines noires. Alors, on n'a pas pris de chance ici. Le gouvernement et l'industrie maritime ont travaillé ensemble pour trouver des façons de protéger, si on veut, les baleines. Alors lorsqu'on sait qu'il y a une baleine dans le secteur, on va ralentir la vitesse, obliger les bateaux à ralentir la vitesse à 10 nœuds. Alliance Verte, c'est un programme volontaire de certification environnementale et c'est né d'un besoin de l'industrie de faire valoir ses efforts environnementaux. Donc, il y avait une crise, notamment du côté des espèces aquatiques envahissantes pour les grands lacs. Et plutôt que de lancer une campagne de communication ou de relations publiques, l'industrie a voulu démontrer les efforts environnementaux qui étaient faits. Dorénavant, pour croître, pour tout projet d'expansion, va devoir passer par les trois piliers du développement durable. On le voit de plus en plus. Et c'est pas au moment où on fait face à une crise ou à un problème qu'il faut essayer de travailler sur son capital de sympathie ou sur son acceptabilité sociale. C'est justement en engageant un dialogue tôt et en démontrant un engagement réel avec des actions concrètes qu'on peut bâtir cette fondation-là de dialogue et de confiance avec les citoyens, ce qui fait que justement, à la fois la ville et le port, donc les citoyens et les opportunités d'affaires, sont gagnants.
In addition to the need to protect biodiversity, there is also the more recent issue of resilience to the effects of climate change, especially in terms of rising sea levels, which pose an imminent threat to coastal cities all over the world. The thing with climate change is, of course, you can't see it until the effects, you can't see them until they really hit. And this is what you've seen around the world. The reason that they hit port cities first is because the water comes in port cities, people come in port cities. That you see, it's human nature to only pick these things up when crisis hits and people are really exposed to these effects. To counter the impacts of climate change, port cities are adopting resilience measures in terms of infrastructure. The president of the Port of Venice is talking about infrastructure solutions that are resilient to rising sea levels and their environmental consequences. L'aumento del livello del mare coniugato a una manutenzione interna alla laguna che non è sempre stata particolarmente pianificata né particolarmente considerata ha portato particolarmente negli ultimi anni a un livello di incidenza delle acque alte molto, molto significativo. Voi sapete che il governo italiano ha iniziato a costruire più di 10 anni fa un sistema che si chiama MOSE, che è un sistema di barriere mobili alle bocche di porto e quindi alle 3 entrate della laguna. È un sistema da un lato molto avveniristico e ambizioso, dall'altro particolarmente impattante, insomma, perché ha comportato di fatto la creazione di dighe sommerse in bocca di porto, quindi con anche una importante impatto insomma sull'intero ecosistema, sull'intero addirittura ciclo delle maree, delle correnti. There's plans for having swimming architecture, so in the port of Rotterdam you already see some swimming houses. But there also we have to think about what does that mean for the animals, the plants, that are going to live underneath the houses. So we are changing the ecosystem even in the sea. The larger sustainability debate is more about creating awareness, getting the facts right about how vulnerable different parts of ports and deltas are. And understanding what kind of long-lasting effects could have if you do not attend to them.